Shalaba, 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 Shabbat, 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 Shabbat,
Seigneur Saint-Esprit, c'est notre façon de te dire que nous apprécions l'œuvre magnifique que tu accomplis dans nos vies. Esprit de Jésus, sois honoré. Esprit de Jésus, sois salué. Seigneur Saint-Esprit, sois honoré au milieu de nous. Merci pour tout, merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous ne savons pas parler. Saint-Esprit, nous ne savons pas prier. Saint-Esprit, nous soupirons après l'esprit de la prière. Qu'il te plaise ce matin de nous transporter dans cette dimension. Aide-nous à adorer le Père à travers nos vies. Aide-nous à glorifier le Père. Aide-nous à toucher les profondeurs du cœur du Père. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de nos corps. Enivre-nous de ta présence ce matin. Enivre-nous de toi ce matin. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, ça de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le soupir de nos cœurs ce matin, c'est être rempli jusqu'à l'ivresse. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, nous soupirons et supplions. Nous soupirons et attendons. Nous soupirons et espérons. Nous soupirons et crions à toi. La barada côté de Chakabaya. Viens nous conduire dans ce temps. Tu es Dieu, oui, régnons ce lieu. Tu es Dieu, oui, régnons ce lieu. Accorde-nous de ne voir que le trône de ce matin. L'importance d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Accorde-nous, Seigneur Saint-Esprit, de ne pas calculer les minutes, mais de ressentir rempli de toi, étiré, rempli de ta présence, rempli de l'onction. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Shalabaya bate, verra ta basse au. Merci pour ta présence, pour ta conduite en ce premier jour de jeûne où les cœurs assoiffés, nous nous tenons devant toi. Merci d'étancher notre soif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous croyons que cela est notre partage. C'est pourquoi nous saluons ta magnifique présence encore une fois. C'est pourquoi nous rendons gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas, c'est insonorisé, ça sort pas. Alléluia. Amen. Dis à un voisin si tu as sommeil ou bien si tu fais doucement, t'inquiète pas, on n'est pas nombreux. On ne dérange pas. Amen. Sois le bienvenu. Soyons tous les bienvenus dans la magnifique, extraordinaire, merveilleuse, glorieuse, ô puissante présence du Seigneur. Alléluia. Soyons les bienvenus. Bienvenue en ligne à toute la famille Vase d'honneur. Nous sommes à notre premier jour de jeûne. Du jeûne des assoiffés. Et un assoiffé va fortifier son voisin et lui dire: Dieu va étancher ta soif.
S'il ne te croit pas, trouve quelqu'un qui va respecter ton ministère prophétique. Alléluia. Parce qu'en temps normal, il doit dire Amen. Voilà, quand il dit Dieu va étancher sa soif, il doit dire Amen. Comme s'il saisit. Alléluia. Donc s'il fait, faut le laisser, va trouver quelqu'un qui va dire Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, nous sommes bénis dans sa présence. Bien-aimés, nous sommes à notre première matinale de renversement des autels. Et nous avons été enseignés sur ce que on ne renverse pas les autels avec la bouche. Amen. Ce n'est pas bouche-parole. Il faut l'onction pour renverser les autels. Alléluia. Amen. Bon, ok. Ce qui est sûr, depuis le moment où on a commencé à prier, par la grâce de Dieu, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Amen. Mais notre Père spirituel a reçu du Seigneur qu'il fallait faire une prolongation. Dis prolongation. Prolongation. Il fallait faire une prolongation pour ratisser. Alléluia. Amen. Donc, on est dans cet esprit-là. Et on va prier sur la base de ce que Dieu nous a dit au travers de son serviteur, le pasteur Mustapha, hier. Qui a été béni par le message. Ok, je le verrai tout à l'heure quand on va lancer la prière. Alléluia. Qui est révolté? Qui veut pousser les limites de sa vie de prière? Qui veut, c'est-à-dire tu pries jusqu'à, on vient te toucher pour dire, ça fait 6 heures que tu es en train de prier. Amen. Et puis, oh, la personne n'est pas de ce côté. Amen. On dirait c'est vrai, les chants là. Ah. Alléluia. Et puis on te touche, ne t'inquiète pas, tout ce qu'elle prophétise, je reçois avant de te dire. Donc, mais si tu n'as pas reçu, tu vas constater que c'est tombé sur moi. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et ce matin, nous allons privilégier une prière. La prière du parler en langue. Alors, je veux demander qui ne parle pas en langue. Ok. Alléluia. On va prier en langue. Et ceux qui ne parlent pas en langue, j'ai vu quelques mains. Si vous croyez que, avant 6 heures du matin, le Saint-Esprit vous offre ce cadeau, vous recevez le cadeau au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier en langue. Et nous allons prier en langue. Il est 5h18. Le Saint-Esprit va nous conduire. Est-ce que tu es prêt? Si tu ne peux pas en langue, dis Seigneur, remplis-moi. Que ton règne envahisse ma vie. Que ton règne remplisse ma vie. Alléluia. Tu pries comme ça. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va te conduire. Et tu vas commencer à prier selon qu'il t'aura poussé à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Je vois des frères et sœurs assoiffé, dit Seigneur, je n'ai pas encore vu des déterminés. Je n'ai pas encore vu des personnes qui ont décidé de finir avec cette histoire de sommeil. Tu ne comprends pas, tu dors, depuis ça ne finit pas. Quand on dit en prière, c'est là que tout à coup, ton corps devient lourd. Ah, je suis en train de les voir, je n'avais pas fait attention. Donc là, ils sont là, il y a des guerriers de la prière. Il y a des personnes que Dieu a mandatées dans leur famille pour changer la donne. Il y a des Gédéons qui sont venus ici ce matin. Aradabashatakata. Negedabada. Alléluia. Et nous allons ensemble commencer à élever nos voix. Et prier en d'autres langues. Commençons à prier. La Bible dit celui qui prie en langue, celui qui parle en langue, qui parle à Dieu. Personne ne le comprend. Mais en esprit, il dit des mystères. Maradabada. Zekelebadabada. Kelebochatabada. Parasia. Shada da baya, 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 Shada da baya
Ekaya, Maya, Ekaya, 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 Ekaya,
Shalabaya Damaya. Shalala, Shekaya, Elebo, Ibara, Ibra, Izabaga, Ebaba, Go, 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 go
Shadalos,
Shakata ha. Shere baba baba la bada. Ila baba baba baba. Lokata la bada ha. Zata da boxina balada ya. Poussons. Je le bois, la madame. Il est beau, ça da la da de vos. Il est le maillet, kata la baya. Chata. 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 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Rada. Chata. Il le bois. Chekene bayandolos ikarabasukete badaba chekene bele 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 que ça coule, 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 oui que ça coule ici maintenant. Malmené par les autels. Au nom de Jésus, ce qui te malmenait, ce qui te persécutait, le Seigneur t'équipe pour l'oppresser à ton tour. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Ah, c'est pourquoi, vaillant héros, guerrier de la prière, oh, lève-toi, lève-toi, sois encouragé, sois fortifié, ne te lasse pas de prier. Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires, des choses glorieuses, des choses incroyables. Alléluia. Dieu est sur le point de te surprendre avec une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 68, le verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois, n'était pas entendu.
dont Dieu ordonne que tu sois. Dont Dieu ordonne que tu sois. Dont Dieu ordonne que tu sois. On va s'approprier le verset. On va dire: mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. On va recommencer, même. On va dire ensemble: 1, 2, 3. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Ah, tu peux acclamer Dieu que ça si tu le crois. Nous allons prendre ce point de prière en langue. Alléluia. On va dire: Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Ta puissance démonstrative. Celui qui veut nous attaquer, il tombe. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est une saison où tu n'es même pas au courant. Tu marches comme ça. Quelqu'un veut t'agresser, lui seul il tombe. Tu viens lui demander il y a quoi? Il dit: c'est toi qui voulais attaquer. Aïe, aïe. On va prendre ce point de prière. Et on va dire: Seigneur, Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Au nom de Jésus. On va dire: Seigneur, nous avons bien compris cet ordre. Accorde-nous la grâce de le voir se réaliser ici et maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un soupire après une autre dimension? Élevons nos voix et prions. Shabalabadaka. Si tu sens que ton voisin est brisé, fortifie-le. Dis-lui: bon courage. Bon courage. Quelque chose de bien est sur le point de t'arriver. Bon courage. Bon courage. Sois fortifié. Sois fortifié. Il y a une grande victoire qui t'attend. Il y a une grande victoire qui t'attend. Shabaya. Et Rabada. Et les bele bele bele. Et les bele bele. Et les bele bele bele. Et les bele bele. Shalabaya baya. Et kalabaya. Rode le mot sakata. Shalabake. Malabadaya. Notre divin. Shabalos. Les badabaya. Marada kata. Et la voyage, et les élévances, par la dame, le présentement,
Jamais,
On peut acclamer mieux que ça. Ilo sinama la maya la boche. Ilo sinama la maya la bayabe. Merci pour la force. Le vouloir et le faire nous viennent de toi. Merci d'avoir conduit chacun de nos pas. Merci de nous avoir entraînés dans la présence de Dieu. Merci de nous avoir remplis de toi. Merci pour la plénitude de l'esprit. Merci pour l'onction de la prière, pour la force de la prière, pour le zèle de la prière, pour la soif de la prière. Merci pour le revêtement. Arabo Shata, ces acclamations pour te célébrer. Magnifique Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, Rekosina Maya, Ikele Maya Palabo Sata, Nedelebedebede, Kona Tabala Maya Delebos, Alléluia. Et nous allons terminer par ces quelques confessions. En levant la main droite, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Selon que mon Dieu a ordonné. Selon que mon Dieu a ordonné. D'être puissant. D'être puissant. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Pour cette saison. Pour cette saison. Où tu m'étires. Où tu m'étires. Tu m'étends. Tu m'étends. Tu te déploies à travers moi. Avec une puissance. Avec une puissance. Qui est celle du Saint-Esprit. Qui est celle du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Pour ce que tu accomplis, tes promesses, tu fais de moi un signe par la réalisation de prodiges dans cette saison. Père, je te rends grâce pour ma vie. Fais de ma vie un hôtel de prière. Un hôtel de prière. Un hôtel de prière. Dans le nom de Jésus. Je confesse que ma vie spirituelle connaît un boost. Au nom de Jésus. Je déclare que la prière. La prière devient un délice. Je ne compte plus le temps. Je ne compte plus les heures. Je prends plaisir à rester dans ta présence. À rester dans ta présence. Seigneur, merci pour ces trois jours de jeûne où tu es dans ta main, où tu nous fais monter à un autre niveau, à une autre dimension, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces trois jours durant lesquels tu me gardes connecté à chaque temps de prière, à chaque rendez-vous. Au nom de Jésus, merci pour le mois d'août, pour le mois d'août, qui est un mois où je déborde spirituellement, à gauche, à droite, devant, derrière, ma vie est remplie de témoignages.
ma vie est remplie d'actions merveilleuses à cause de ce que durant ce mois d'août, mon hôtel de prière est arrosé par ta grâce. Au nom de Jésus, je suis un feu. Je suis en feu. Le feu que j'ai reçu durant Soukot ne s'éteint pas. Bien au contraire, il s'augmente. Et je communique à quiconque m'entoure le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Il en est ainsi. Au nom de Jésus. Au mois d'août est magnifique, est glorieux, extraordinaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Si tu crois que tu es exaucé. Amen. Donnez-moi amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est rapide. Il dit parce que quand Christ est rentré à Gadara, le fou de Gadara avait assez de démons, mais il a été délivré instantanément. Laissez quelqu'un avec moi. Amen. Nous allons prier. Détruit dans le nom de Jésus toutes les attitudes qui attirent, qui enracinent les hommes forts dans nos vies, dans le nom de Jésus. Prions encore le Seigneur, prions dans le nom de Jésus. Mayande boromasakata, rebada basse kata bayanda pere parabasaya, reged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 
Dis amen avec moi. Amen. Donc si tu n'étais pas là hier, tu peux retourner dans l'enseignement. L'enseignement est encore en ligne. Dans le nom de Jésus. Dis amen avec moi. Amen. Un très bon enseignement. Amen. Tu vas prier. Tu vas annuler toute œuvre d'esprit de rejet. Tout ce qui est trace du rejet dans ta vie spirituelle, dans le nom de Jésus. La Bible parle dans le livre de Proverbes, la trace du serpent sur le rocher. Nous sommes des rochers et le serpent est capable, en passant sur un rocher, de laisser une trace. La trace ne peut être visible à l'œil nu. Un serpent passe sur un rocher. Dans les normes, on ne doit pas voir des traces. Mais la Bible nous dit la trace du serpent sur le rocher. Donc ça veut dire que le rejet peut travailler dans ta vie sans que tu ne saches que le rejet est là. Nous allons prier, détruire, annuler les œuvres, effacer toutes les œuvres du rejet dans nos vies, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur contre l'œuvre du rejet. Au nom de Jésus, l'esprit des rejets. L'esprit des rejets. L'esprit des rejets. L'esprit des rejets. Shadabadabadabadabaya. Rebadabadabadabadabadabaye. Sedabadabadabadabadabaye. Mangadabadabadabadabaye. Shotabadabadabadabadabaye. Makandabayamayandabadabadase. Robadabadabadabadabadabaye. Morabadabakendabayandabadabadase. Oraye. Les œuvres du rejet, les œuvres de l'esprit de rejet. Effacé par le sang de Jésus, le rejet dans notre vie, les œuvres de l'esprit de rejet, les œuvres de l'esprit de rejet, Mayanda Péama, Korabata Bale, Robata Bache, homme fort, toi et ton rejet, vous pliez bagage, dans le nom de Jésus, toi et ton rejet, vous disparaissez, dans le nom de Jésus, toi et ton rejet, vous disparaissez. Dans le nom de Jésus, toi et ton rejet, 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 repata passé, matanda paya, reposo posa chaya, denda para passé, après ma douce abate, tanda paye, paya, da rosso. Alléluia. Dis avec moi, esprit de rejet, esprit de rejet,
toi et tes œuvres, toi et tes œuvres, dans ma vie, dans ma vie, vous disparaissez, vous disparaissez, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, viens effacer, dans mon âme, mon corps et mon esprit, toute œuvre de l'esprit de rejet, dans le nom de Jésus, esprit de rejet, ton pouvoir est détruit dans ma vie, dans le nom de Jésus, je rejette tes œuvres, je rejette tes Rio Bayandale, la Catabaye, Sekata Ida Bahé, oh Raye, toi et ton pouvoir, Régère, toi et ton seul, Régère, toi et ton pouvoir, Juan de Bosch, le Kataraya, le Kareandolosa, le Régère. Rejet, tu n'as pas de place à ma vie. Rejet, tu n'as pas de pouvoir dans nos vies. Rejet, tu n'as pas de pouvoir. Rejet, nous te rejetons. Dans le nom de Jésus, esprit de rejet, nous te rejetons. Dans les lieux arides, au nom de Jésus, tu t'éloignes. Toi et tes œuvres, toi et ton pouvoir, toi et tes actions, toi et tes attitudes, toi et tes rétorpeurs, nous vous rejetons dans le nom de Jésus, dans nos villes et dans nos familles, dans le nom de Jésus, Shaya, Jirea de Bez, Shaya de Bagarama. Enfant, toi et ton rejet, vous vous éloignez. Toi et ton rejet, vous êtes rejeté à tous les niveaux. Dans le nom de Jésus. Yes, yes, brisé. Chayandale, chayandale. Isakata, yekete, itabahos. Marabarabarabaya. Rejeter. Alléluia. Je sens ce matin des ouvriers du Seigneur déchaînés dans le nom de Jésus. On sent que notre prière est en train d'aller quelque part. Qui sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans le spirituel ce matin? Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Et au sorti d'ici, tu vas avoir les retombées dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des retombées pour toi pendant et après la prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons encore. Nous continuons encore. L'enseignement d'hier était fort. Quels sont ceux qui étaient là hier? Fort. Vraiment fort. Il a touché un deuxième point. Il dit dans les normes, si ce deuxième point est traité, c'était comme si il y a une auto-délivrance qui se produisait. Alléluia. Il a parlé de la désobéissance. Il dit il y a des moments où nous-mêmes nous voulons obéir. Et il y a des moments où la désobéissance s'attaque à nous. Avec une telle brutalité. David pouvait dire, délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je marche selon tes ordonnances. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des systèmes que Satan met en place, qui viennent travailler comme un homme fort, pour nous empêcher d'être obéissants. Il dit, délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je marche selon tes ordonnances. Alléluia.
allons marcher selon les ordonnances divines. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier contre toute forme de désobéissance. Il y a des moments où toi-même, ton corps a envie de désobéir. Ta vie a envie de désobéir. David dit que mon âme qui veut désobéir a béni Dieu. Bénis ce Dieu-là. Amen. Il a ordonné à son âme. Donc ce matin, nous allons ordonner. Amen. À notre vie l'obéissance. Au nom de Jésus. Que la désobéissance s'éloigne et que l'obéissance soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur contre toute forme de désobéissance. Dans lequel les adversités nous envoient. Dans lesquelles nous entrons aussi. Dans le nom de Jésus. Chate, chate, ragada gada gada gaye, breva sakaya da pros, Alléluia. 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 Et je touche le troisième point qu'il a touché. C'est à cause de ça ce soir, il faut que tu sois là. Il a touché trois points. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs encore. Parce qu'il a dit qu'il allait continuer après. Et ce point aussi est très essentiel. Il a utilisé un thème très important hier. Il dit, ton sang est plus âgé que toi-même. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit, ton sang est plus âgé que toi-même. Il dit, parce que si tu ressembles à ton père, c'est parce que c'est une question de quoi? De sang. Et il dit, aussi par le sang, il y a un volet négatif et il y a un volet positif. Tu peux bénéficier du positif, mais le négatif peut travailler contre toi en tant qu'un homme fort aussi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout ce qui est négatif, qui vient du sang, nous allons détruire ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons détruire ce matin. Au nom de Jésus. Et puis on va activer ce qui est positif. Dis amen avec moi. Amen. Parce qu'hier, il disait que ce qui est sûr, il y a au moins un caractère positif de ton père ou de ta mère qui t'accompagne. Quand bien même que tu peux ne pas savoir. J'ai aimé, il dit, ton sang est plus âgé que toi-même. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas détruire toute œuvre d'homme fort qui vient de la lignée sanguine. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est négatif, tu vas détruire dans le nom de Jésus. Arracher, enlever de ton sang dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions notre Dieu maintenant. Les sujets sont tellement ciblés.
tellement supplé. Chede. Yonda parabake. Les caractères, les attitudes qui sortent du sang. Les œufs. Chede. Après moi, tout point de contact. Tout point de contact. D'un homme fort. D'un homme fort. Dans mon sang. Dans mon sang. Dans mon sang. Dans mon sang. Tout point de contact. Tout point de contact. D'un homme fort. D'un homme fort. Dans mon sang. Dans mon sang. Est annulé. Par le sang de Jésus est annulé, est annulé, est annulé, est annulé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, est annulé par le sang de Jésus, 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 Shaddaye, Rebadabasandabaya. Annule par le sang de Jésus. Annule par le sang de Jésus. Annulons par le sang de Jésus. Annulons, 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 annulons. Annulons, 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 annulons. Annulons, annulons par le nom de Jésus. Nous annulons. Nous annulons. Annulez, annulez, annulez. Par le sang de Jésus. Annulez. Par le sang de Jésus.
bagasser. Nous annulons. Nous annulons. Nous annulons. Nous annulons. Nous annulons. Par le sang de Jésus. Nous annulons. Nous annulons. Nous annulons. Par le sang de Jésus. Par le sang de la nouvelle alliance. Amen. Nous reste 15 minutes. Nous allons faire des proclamations. Qui veut proclamer avec moi? Quelque chose est en train de se passer. Proclamer. Avant la proclamation même, je sens que il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré. Amen. Une dame est là, elle est victime. Elle est victime d'un problème de lignée sanguine dont on était en train de toucher. Lèvons simplement les mains. Que je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas là où cette dame est, mais tu la connais. Que la puissance de ton esprit vienne la libérer. La libérer. La libérer. La libérer. Sortez au nom de Jésus, vite. Sortez. Sortez. Sortez dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je déclare que toute personne victime des différents points qui ont été touchés, nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libre. Au nom de Jésus. Il y a une dame qui a en costume là. Là, en costume noir là. Crie, on dirait. La puissance de Dieu est en train de la libérer aussi. Au nom de Jésus. Je vois les chaînes en train de tomber. Au nom de Jésus. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mon sang est libéré. Mon sang est libéré. Pré pour ton pachida bakanta bra, me koto rabadashi, ma katara yandare. Oui, il y a une autre qui va commencer à vomir ce qui travaille dans son sang. Il y a une autre qui va commencer à vomir. Elle va commencer à vomir ce qui travaille dans son sang qui vient créer ce mal. Elle va commencer à vomir. Ça remonte et ça sort au nom de Jésus. Je te rebodo basakata. Yamporo patase. Un esprit en train de s'enfuir. Un esprit impur en train de s'enfuir. Il était considéré comme l'homme fort. Il est en train de s'enfuir. Il est en train de s'en aller. Pour les dieux Saïdes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un esprit est en train de fuir. Un homme fort est en train d'être délogé, délogé, délogé dans le nom de Jésus. Go passer. Alléluia. Tout ce qui est œuvre du rejet, d'esprit de rejet, qui part dans le sang,
Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Il y aura un mouvement dans les allées. Des libertés vont commencer à se faire seules. Je vois des chaînes tomber. Des hommes forts en train de libérer dans le nom de Jésus. Une soeur va s'écrouler quelque part dans la zone là-bas. Elle va s'écrouler quelque part dans la zone là-bas. Une soeur va s'écrouler, elle ne fera pas exprès. Cet homme fort est en train de la quitter. Il est en train de la quitter. Il dit, je ne peux plus résister. Il est obligé de te quitter. Il est obligé. Dans le nom de Jésus. Shataya andabros. Wanta parabashete. Jeketarabadasa. Amen. Un homme fort est un esprit qui est posé sur la poitrine d'une dame. Il est posé au niveau de ta poitrine. Et il a commencé à créer des palpitations. Il a commencé à donner des problèmes de cœur. Tu n'as pas véritablement des problèmes de santé. Mais c'est cet homme fort là qui s'est assis. Et veut te faire subir ce mal. Mais ce matin, la puissance de Dieu vient te libérer. Je ne sais pas là où elle est, mais vous allez l'aider. Parce que la puissance de Dieu est en train d'enlever quelque chose. Enlever. En arracher. Arracher. Skate, Mai, Indosi, Brakete, Yante Rwanda Saya. Le sang de Jésus est puissant pour annuler tout ce qui est négatif qui tombe aux hommes forts d'être enracinés en nous. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare. Je déclare. Que tout esprit de rejet. Tout esprit de rejet. S'éloigne de ma vie. S'éloigne de ma vie. Et de ma famille. Et de ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La désobéissance. La désobéissance. S'éloigne de ma vie. S'éloigne de ma vie. Et de ma famille. Et de ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, mon sang est renouvelé. Mon sang est renouvelé. Tant spirituellement, spirituellement que physiquement. Physiquement. Dans le nom de Jésus. 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 Nous allons toucher notre dernier sujet de prière. Notre sujet de prière, c'est juste de battre les mains en priant en langue. Tu ne pries pas en langue, tu invoques Jésus. Et quelque chose se passe dans ta vie, dans l'atmosphère. Amen. Continuons, continuons. Si quelque chose se passe dans la vie de ton voisin, ne t'occupe pas. Shanda bara bara ba kanda ba yanda prince. Makanda bara 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 ye. Skate,
Alléluia. Amen, amen. Levons simplement les deux mains pour terminer. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Dis avec moi, Père. Père. Je te loue. Je te loue. De ce que ton onction. De ce que ton onction. Repose sur moi. Repose sur moi. Pour la liberté totale. La liberté totale. Des hommes forts dans ma vie. Des hommes forts dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Parce que tu déposes sur ma vie. Parce que tu déposes sur ma vie. Une dose. Du Saint-Esprit. Qui vient faire un travail précis. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia. Vous savez, souvent lorsque nous sommes en croisade, notre papa l'apôtre, il a l'habitude de dire à certains, souvent quand les croisades finissent, il dit, il y a une onction qui vous accompagne. Et que cette onction-là va continuer le même travail à la maison. Jusqu'à ce que vous reveniez le lendemain. Amen. Et souvent, il y a d'autres qui partent à la maison. Et quand ils reviennent, ils te disent, le mal a disparu pendant qu'ils étaient à la maison. Il y a certains qui constatent. Parce que ça peut se produire pendant. Mais aussi à la sortie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça veut dire que la journée est capable de ne pas finir. Vous savez, il y a des hommes forts quand ils s'en vont. Le résultat est instantané. Amen. C'est ce que le pasteur Moussafa nous disait hier. Il dit, le fou de Gadara, le résultat a été instantané. Il n'est pas allé de camp de prière en camp de prière. Malgré il y avait plus de 2000 démons. Il dit, il n'est pas allé de camp de prière en camp de prière. Et il expliquait que c'est possible que les choses se fassent instantanément. Amen. Je donne un exemple, si c'est un homme fort lié au chômage, il n'a jamais travaillé, tu luttes avec. C'est-à-dire, tu peux sortir d'ici comme ça aujourd'hui. Et puis au même moment, c'est-à-dire tout à coup, brusquement, subitement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, ce qui va t'arriver sera extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Que
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, voici nos vies ce matin. Conduis, dirige, oriente et guide notre Dieu. Chandabayanda rebobo sakata. Le masi tabakota barabachete. Easy on look and a day about day about the Baba 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 Seigneur, ce matin, voici nos vies au devant de toi. Nous voulons prendre appui sur l'alliance de ton sang. L'alliance de ton sang. Sur l'alliance de ton sang. L'alliance de ta mort et de ta résurrection ce matin. Et nous voulons déchirer nos cœurs 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 ce matin. Et te dis, Seigneur, voici nos vies. Apporte une touche de par l'alliance de ton sang. Effaçant ce matin tout ce qui peut empêcher nos prières de monter. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier par ton sang ce matin. Seigneur, nos faiblesses, nos erreurs, nos actions posées, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, qui peut venir entacher le temps de prière de ce matin, lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Nos actions, nos pensées, Seigneur, nos attitudes, lave par ton sang. Purifie par ton sang. Nettoie. Nettoie. Active l'alliance de ton sang ce matin. Nous ne voulons pas qu'il y ait une situation qui nous empêche ce matin de pouvoir prendre le dessus sur notre corps. Et tu as dit déchirer vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Nous voici de par l'alliance de ton sang. Car nous voulons ce matin sortir de ce lieu avec exaucement. Nous disons lave par ton sang, purifie par ton sang. Même que Dieu déchire nos cœurs ce matin. Il y a peut-être une action dans ce temps de jeûne, dans ce temps de recherche du Seigneur, qui a peut-être été un frein, qui a peut-être été un blocage, qui peut empêcher. Il y a peut-être une pensée, il y a peut-être une parole dite, il y a peut-être un être, une action qui sûrement peut venir freiner les choses. Et nous disons, Seigneur, l'alliance est ton sang. Lave, purifie, nettoie. Mon Dieu, mon roi, voici nos vies ce matin. De sorte à ce que il n'y a aucune force qui résiste. Chayanda rabadaba kenda bayanda robo sato. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez-moi bien.
Dans le nom de Jésus, notre orateur du séminaire a dit quelque chose de très important. Il a dit, il y a des moments où nous-mêmes nous donnons accès à l'homme fort par nos actions, par nos attitudes. En tout cas, vraiment, nous allons entrer dans un temps de repentance. Il a dit, il y a des moments où nous donnons accès volontairement comme involontairement. Il y a des périodes où nous-mêmes, par des actions, en tant que personnes ignorantes, nous donnons accès. Et nous avons donné peut-être accès à certains hommes forts dans nos vies. Et ce matin, nous allons déchirer nos cœurs au devant du Seigneur. Et dit au Seigneur, le Seigneur dit, il dit, déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Nous allons crier à notre Dieu, demander pardon, de sorte à ce qu'il n'y ait aucun homme fort, parce qu'une personne n'est pas passée par la repentance, décide d'être enraciné, décide de ne pas partir. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Déchire ton cœur. Si tu connais, parle, dis-le. Cite, dis-le. Ça peut être la colère. Ça peut être certaines faiblesses dans le passé. Ah, papa. Chandare au sacataye. Et comme il a même dit la désobéissance. Mais dans la désobéissance, il y a sûrement certaines actions. Déchirons nos cœurs ce matin. Parce que parmi nous, il y a d'autres qui prendront le dessus sur l'homme fort et par la repentance. Seigneur, voici nos vies ce matin. Voici nos vies ce matin. Dans toutes nos erreurs, dans toutes nos faiblesses, dans toutes les actions mauvaises que nous avons pu poser, qui ont donné accès. Éternel, qui ont triomphé de moi. Je viens les présenter, je viens et chanter la badaque de Bosoto. Voici nos vies. Le faire, éternel Dieu, de façon. Seigneur, sûrement, il y a certaines actions. Comme ton serviteur le disait, Seigneur, il y a certaines actions qui ont attiré. Et l'une des premières clés qu'il a données, c'était la prière. Et ce matin, nous voulons démarrer par une prière de repentance, disant, voici nos cœurs. Mais au fond, tu sens, tu vois, tu comprends. Sûrement, nous avons donné accès à l'homme fort quelque part, à un homme fort quelque part. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Nettoie-nous par ton sang. Non, je veux me purifier. Seigneur, que je suis. Regarde les angles de nos vies. Afin que tu me purifies. Afin que tu me restaures. Certaines faiblesses. Afin que tu me certaines actions. Oui, certaines attitudes. J'ai besoin de colère. J'ai besoin animosité. De j'ai besoin de sanctification. J'ai besoin impudicité. Adultère. Ah Seigneur, que le c'est à rabattaquer. Nommé du milieu de moi. Non, Seigneur, des actions sûrement dans le passé qui ont attiré. Voici les cœurs. Voici nos cœurs. Non, Seigneur. Division. Que les œuvres mortes. Désobéissance au Saint-Esprit dans les directives. Éloigné de ma vie. Afin que résistance aux directives divines. Afin que je marche, éternel Dieu. Le but raté. Seigneur, quand tu n'as pas voulu que nous ratons le but, lave par ton sang. Nettoie par ton sang. Purifie par ton sang. Les cotorabadabaché. J'investis le temps. Je t'arabadabaké tabayandolos. Mais quand t'arababasa kata et d'abéandolo adaché. Ce matin. Ce matin. Seigneur, par ton sang, j'enlève nettoie, de l'apparence, purifie, lave, par ton sang, afin de me présenter. Purifie-moi, ôte Seigneur, l'iniquité, ôte Seigneur, la fraude, ôte la dissonance. Seigneur, voici, voici, ôte Seigneur, que rabada chaya, et mosque de protagé. Ade batuba sakata et d'abarabado maseka. Quand d'ababa sekere barabare yandolo ski de pride de. Que je sois restauré. Skin di piri barabara yo to saye. Pour la gloire de ton nom. Shagabare kamasida la bayana makayaba.
Rebarana kama yalate kama isana eba a. Shereka makade matikile kaba. Raiyede bayongolos. Sikaraba da baya sepa pa per sepa. Que ce qui est révélé barabara bakanda barabara barade bedigada barabara. Ce que je saisis, ce qui est saint, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange et d'approbation. Oui Père, œuvre dans moi, œuvre en moi, Père, par ton esprit, par ton Alléluia. Esprit, par ta grâce. Alléluia. Amen. Je touche un verset, toujours dans ce même élan, pour nous permettre de mieux prier. 1 Roi chapitre 18, verset 28. Et la version lui second. Il dit, et ils criaient à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume. Des incisions avec des épées et des lances. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ça c'était dans le combat spirituel. Élie face au prophète de Baal. Amen. Ils ont décidé d'invoquer leur Dieu en se faisant des incisions pour que le sang coule et que ce sang-là vienne parler puissance pour eux. Pour que leur Dieu puisse opérer à l'aise. Amen. Et pour nous, nous avons le prix payé à Golgotha. Amen. Le sang qui a coulé pour nous. Amen. Donc, la repentance en invoquant le sang de Jésus est aussi une grande porte d'accès de victoire. Amen. Pour chasser l'homme fort. Il y a des hommes forts qui s'enracinent sur le sang, qui prennent appui sur le sang. Il y a des hommes forts qui prennent appui sur une alliance de sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous allons prier le Seigneur encore. Présenter nos vies au Seigneur. Que le Seigneur lave dans nos vies, dans nos familles. Par son sang. Qu'il lave, qu'il nettoie dans le nom de Jésus. À tous les niveaux. De sorte à ce qu'il n'y ait aucune résistance d'un homme fort dans le nom de Jésus. Il n'y ait aucune résistance. Shekata Idabahos. Est-ce qu'il n'est pas ou n'est pas irrésécuté? Rebadabashe Tabayandoto. Prions notre Dieu. Que le sang vienne annuler. Que le sang de Jésus vienne annuler. Que le sang de Jésus vienne annuler. Toute alliance de sang. Tout pacte de sang. Chatara gada 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 gada. Allez ma hausse qui ne rayant d'arrêter ce que je suis recalé. Les gens prions, prions, prions. Que ces alliances-là soient annulées par le sang de Jésus qui vient annuler les décrets qui nous condamnaient. Toute forme de condamnation sur lesquelles tout homme fort venez prendre appui ce matin. Sekete para bada kenda pros yekete rabada bada bada baye ropa da gada 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 is my rekinde raota he e pakeda bo sataya
Mai donde qui dit pas hos que ta reada. Reada, 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 riaba. Ma canta rabada shaya. E pro mazika ta e. Se karayanda re. De le sang de Jésus, est annulé. Toute alliance de sang. Sur la page et la terre, un enfant prend un but. De le sang de Jésus. Va jusqu'en profondeur, Rabakaladabaya Badesa, Ricade, jusqu'aux racines, Rabakaraya, Siparanama, jusqu'aux racines du mal en moi, Rabadeka, Ligere Manama, Sikala de Mayana Masha, Issi Pranana Kerabada, Le Pataya, Sigana Baba Hilo Koradaba, Le Badakaya, Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Parce que nous allons être lancés dans une prière de combat spirituel dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce matin? Amen. Il y a 3 jours de cela, le pasteur Mustapha nous disait, il dit l'une des premières clés c'est la prière. Il aura violence ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il aura violence spirituelle ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen, dis amen, amen avec amen, moi. Amen, 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 amen. Tu vois, j'ai dit il aura violence spirituelle. Mais tu ne réponds pas bien ce matin. Amen. Je ne sais pas si c'est la lourdeur qui le fait ou quoi. Il aura violence spirituelle amen. Ce matin. Amen. Cher Esaïe, Esaïe dit, il aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. Et ce matin, c'est nous sommes offensifs ce matin. Amen. Nous allons oppresser l'oppresseur amen. Dans le nom de Jésus. Yes. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu sur la base de tous les hommes forts dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Je prends appui sur un verset qu'on connaît très bien dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ici, le pasteur Mohamed a donné un enseignement une fois sur les échanges spirituels. Il dit que ce n'est pas au moyen de l'or et de l'argent. Dans les temps anciens, l'or et l'argent étaient la monnaie d'échange. Amen, amen, amen. Donc là, le Seigneur est en train de nous dire que la meilleure des monnaies d'échange, c'est le sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit en fait, la monnaie d'échange là, dans le spirituel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Ça peut être là dans le physique, mais dans le spirituel, la monnaie d'échange au-dessus de toute monnaie, c'est le sang de Jésus. Amen. Parce que nos voisins, ils rentrent aussi dans un échange spirituel avec le sang des animaux, avec le sang de certains êtres humains. Et ça introduit dans la vie de certains parmi nous des hommes forts et qui se sont enracinés sur la base de la monnaie d'échange qui est le sang. Et pour nous, ce matin, nous avons la meilleure des monnaies d'échange. Alléluia. Donc, alléluia. Là où l'homme fort s'est enraciné à partir d'un échange spirituel qu'il y a eu,
ce matin, il va plier bagage dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Tout homme fort qui est enraciné, écoute bien le sujet. Tout homme fort qui est enraciné dans ta vie à cause d'un échange spirituel qu'il y a eu. Écoutez, et quand le pasteur nous enseignait, je me rappelle bien de cet enseignement du pasteur. Il disait, souvent même, étant dans le monde, de par des rapports sexuels qu'il y a eu dans le passé, il y a eu échange. Parce que le sang parle aussi dans les rapports. C'était parmi nous, nous se sont promenés avant de venir à Christ. Oui, nous nous sommes promenés aussi avant de venir. Ça veut dire que tu peux entrer dans un échange spirituel qui a envoyé un homme fort dans ta vie et tu peux être ignorant. Ce matin, les sujets seront ciblés. Cette affaire doit être traitée dans le nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce matin? Tout ce qui est échange spirituel sur lequel un homme fort a pris appui ce matin, il doit dégager dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tu as bien ciblé le sujet. Prions, prions. Chaque
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. On sent dans l'atmosphère une violence spirituelle. Ce matin, je sens que quelqu'un est en ligne dans une violence spirituelle. Yes. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Oh yes. Et ce matin, nous avons décidé d'être des violents. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit prier bagage yes. ce matin. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé à prier bagage yes. ce matin. Alléluia. Amen. Dans ce même élan, j'ai dit les sujets seront ciblés. Ciblés. Écoute-moi bien. On parle de quoi? Des champs spirituels sur lesquels un homme fort peut prendre appui. Est-ce quelqu'un avec moi? Notre papa nous a enseigné ici. Si vous vous rappelez bien, il a parlé du commerce spirituel. Et il a pris appui sur le livre d'Apocalypse. Il avait en parlé ici. Il dit les marchands de la terre pleurent. Et il parlait des échanges, du commerce qui se faisait au niveau du corps et de l'âme des hommes. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ça veut dire que s'il y a eu un commerce au niveau de ton corps et de ton âme, s'il y a eu un échange spirituel qui fait que l'homme fort est enraciné, ce matin, je dis bien aujourd'hui. Je parle de cet instant-là. Cet homme fort est obligé de prier bagage dans le nom de Jésus. Raison pour laquelle, pendant que tu parles les mains et que tu es en train de prier, pendant que tu parles les mains dans ton corps et ton âme, tout ce qui était enraciné comme homme fort dans le nom de Jésus. Wanderobo Satan, le Katarabadabashe. Le sang de Jésus est plus fort.
Alléluia. Est-ce qu'un guerrier de prière va pas ce matin? Amen. Alléluia. Yes. Yes. Et le pasteur Moussa va nous enseigner. Il dit, un homme fort, l'homme fort peut être une maladie qui vient s'asseoir dans ta vie. La médecine fait le diagnostic, on ne voit absolument rien. Et c'est possible qu'on voie le mal. Mais on va te donner la source des mots. On va te dire des choses qui n'ont pas véritablement des fondements. Tout homme fort qui est enraciné dans nos vies comme une maladie. Hey! Comme un mal qui ronge. Comme un mal qui ronge. Moi j'ai vu en croisade. Notre pasteur, j'ai vu en train d'enlever des hommes forts dans la vie de certaines personnes dans le nom de Jésus qui instantanément ont été guéris. Un homme fort travaillait dans une famille et toute la famille était aveugle et sourd. Muet à Bundiali. Tous les enfants ont été guéris. Quand le pasteur a prié, il a lié l'homme fort. Les images sont là jusqu'à aujourd'hui. On arrive dans certaines villes où on le voit opérer pareil. Frère, soeur, la maladie qui ronge doit partir dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle doit partir. Aujourd'hui même. Les hommes forts se sont assis sous forme de maladie dans les corps. Sous forme de maux qui rongent dans les corps. Il y a des moments où, pour te donner un signal, pour te dire c'est un homme fort, on te dit non, que la maladie est errée. Est-ce que quelqu'un avec moi? On dit la maladie est génétique. Jésus dit, nous avons été régénérés. C'est-à-dire, nous avons été renouvelés génétiquement parlant. Dans les luttes de 1 Pierre 1, il dit, nous avons été régénérés. Nous avons été renouvelés dans nos gènes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout homme fort qui opère comme une maladie dans nos corps, dans nos vies et dans nos familles ce matin est délogé dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Battons les mains. La dépression dans le nom de Jésus. La dépression dans le nom de Jésus. Caché dans nos vies et dans nos familles. Caché derrière ces maladies. La dépression dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les AVC dans le nom de Jésus. Nous les délogeons. La tension dans le nom de Jésus. De maladie, au nom de Jésus, Satan, la Maya, Imaya, j'ai pété, et si l'on fait, la Maya, 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 Maya,
Séminaire-là, il est profond. Très profond. C'était comme si, à chaque fois que je réécoute les enseignements, il y a toujours un point qui est considéré comme un sujet de prière qui sort. Et le pasteur Moussafa rendait témoignage. Il dit que depuis un certain moment, il a comme un de ses fils qui, du fait que son père avait eu plusieurs femmes dans le passé, ça avait commencé à impacter son foyer, sa vie de couple. Et il expliquait que dans certaines familles, l'homme fort peut être lié au célibat ou la déstabilisation de la vie de couple. Est-ce quelqu'un avec moi? Ça peut être lié au célibat ou à la déstabilisation de la vie de couple. Est-ce quelqu'un avec moi? Ce matin, cet homme fort là, ce matin, cette affaire doit être traitée. Je dis bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Si l'orateur a touché ce point, c'est pour qu'on prie. Dis amen avec moi. Amen. 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 Tu vas renverser. Dans le nom de Jésus. Amen. Lié l'homme fort. Lié au célibat. Qui attaque les foyers. Qui attaque les mariages. Qui attaque
impacte la vie de couple. Tu vas lier, envoyer dans les lieux arides, renverser, déraciner, ruiner, abattre. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur maintenant. Sujet ciblé pour rabattager la boy en dévot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce sujet-là, nous allons le multiplier de façon stratégique. Dis amen avec moi. Amen. Écoutez-moi bien. Le verset qu'on a lu tout à l'heure dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc ça veut dire, nous allons nous attaquer à tout ce qui est vaine manière de vivre. Amen. Qui vient de l'héritage de nos pères. C'est-à-dire, un homme fort peut venir se placer là sous forme de quoi? Vaine manière de vivre. Oh, la vaine manière de vivre vient travailler dans tous les domaines. Il y a certains qui ont eu des richesses qu'ils n'ont pas pu conserver, yes, parce qu'ils les ont dilapidées. Or, la Bible dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Parce qu'ils ont, hérité ça d'une vaine manière de vivre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Yes. Tu veux économiser, tu ne peux pas. Tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Pour d'autres même, ils ont des combats pour pouvoir même avoir le peu dans leurs mains. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, toi-même tu peux surfer et puis essayer de regarder. Fais un diagnostic spirituel instantané en ce moment-là. Et puis regarder quelle est la vaine manière de vivre que tu as pu hériter. C'est-à-dire la mauvaise manière. Nous allons nous attaquer.
passer ce sujet-là, il est très profond. Il est profond parce qu'il touche plusieurs angles à la fois. Vous allez voir que pour certains déjà, quand le sujet est donné, ils sentent déjà ce que c'est. Donc, ils ont déjà une image de ce que c'est. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas arrêter tout ce qui est vaine manière de vivre. Dans le nom de Jésus. Vaine manière de vivre. Qui vient d'un héritage. Même qui ne vient pas d'un héritage. Qui vient d'un héritage. Même qui ne vient pas d'un héritage. Vaincu au nom de Jésus. Annulé, détruit. Déraciné. Chasser l'homme fort au nom de Jésus. Qui vient de la mauvaise manière, de la vaine manière de vivre, qui vient comme un héritage diabolique, un héritage satanique. Nous ne sommes pas héritiers de ce système, des jeunes, des enfants diaboliques. Alléluia. Amen. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les gars, on a commencé en puissance, on doit terminer en puissance. Yes. Vous qui avez commencé par l'esprit. Voulez-vous terminer par là? Non, jamais. Dis, c'est pas de moi il s'agit. Cette personne-là n'est pas parmi nous. Elle n'est pas ici. Et elle n'est même pas en ligne. Dis amen avec moi. Amen. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout homme fort. Tout homme fort. Qui opère dans ma vie. À partir des points de prière qui ont été touchés. À partir des points de prière qui ont été touchés. À partir des points de prière qui ont été touchés. Est chassé de ma vie. Dans le nom de Jésus. Tu es lié. Jeté dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Jeté dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Tu es
Direction les lieux arides. Direction les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin que je suis libre de tes œuvres. Je suis libre de tes œuvres. Je suis libre de ton pouvoir. De ton pouvoir. Shadara da 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 Aucune résistance jusqu'à la fin ce matin dans le nom de Jésus. Car au nom de Jésus. Alléluia. Dans ma vie et dans ma famille. Aucun homme fort, ne résiste ce matin. Dans le nom de Jésus. Aucun homme fort, ne résiste. Dans le nom de Jésus. Homme fort, tu es lié. Jeté dans les ténèbres, du dehors. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes. Hey. Yes. 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 Amen. Amen. Un homme fort est comme un esprit qui suivait quelqu'un. Depuis un certain moment, jeune fille, tu es suivie par cet esprit-là. Et c'était comme si tes décisions n'étaient pas tes véritables décisions. Toi-même, les décisions qui venaient de toi souvent te déplaisaient. Mais c'était comme s'il y avait une force qui te poussait à aller prendre ces décisions-là, à aller poser certaines actions. Et aujourd'hui, ce matin, ton Dieu s'est levé pour toi. Il a décidé de t'apporter la grande délivrance, une grande libération. Je ne sais pas là où la personne est, mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu va descendre dans une zone et libérer cette personne-là, parce que cet esprit-là, il est en train de dire, je m'en vais, je ne peux plus rester. Va-t'en, va-t'en au nom de Jésus, vite, vite, sors d'elle, sors, sors, dans le nom de Jésus, sois d'elle. Écoutez-moi bien. Une autre personne aussi a une adversité identique. Mais pour elle, cette adversité-là se présente à des temps. Et après, cette adversité se retire. Pour ne pas qu'on sente qu'elle est là. Cet homme fort-là, il a une façon de se retirer et de se repositionner pour ne pas qu'il soit localisé. Et ce matin, écoutez-moi bien. Ce matin, voilà, c'est une jeune fille aussi. Oui, c'est une jeune dame que je suis en train de voir. La puissance de Dieu est en train de venir te libérer pendant que je suis en train de parler. Je dis lâchez au nom de Jésus. Lâchez, lâchez, lâchez. Je dis lâchez, je dis lâchez au nom de Jésus. Lâchez,
Regardez, celle qui est là, là. Regardez celle qui est là, là où je pointe le doigt là. Il y a un esprit qui est comme un serpent. C'est lui qui fait ce travail là. Pendant que je parle, il va commencer à l'agiter. À l'agiter. Jeune dame, tu ne pourras pas l'attraper seul. Hein? Tu ne pourras pas l'attraper seul. Il faut un autre frère à côté. Lâche, lâche, lâche au nom de Jésus. C'est. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout homme fort, tout homme fort qui opérait dans ma vie, qui opérait dans ma vie. Peu importe l'angle dans lequel tu opères, peu importe l'angle dans lequel tu opères. Dis avec moi, j'envoie l'épée. J'envoie l'épée. Tu sais, la Bible dit l'épée de l'esprit, elle sépare âme et esprit, yes. Jointure et moelle, elle juge pensées et sentiments. Yes. L'épée. Dis avec moi, j'envoie l'épée. J'envoie l'épée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shinda rabada sakata. Ebraketa keta 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 kata. Ezakata keta payanda bararabada se. Ebragonda payanda la da 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 da. Inderegedegedegedegedegedegedegedegede. Écoutez-moi. L'homme fort qui était dans la vie d'une personne était une maladie qui se préparait pour pouvoir paralyser la personne. Comme un AVC. Quelqu'un va s'écrouler quelque part là-bas. La façon dont tu devais te crouler sur le poids de cette maladie-là, l'Esprit de Dieu te donne ta liberté en te croulant. Amen. Ici, en ce moment, pour Amen. Que tu sois libéré. Amen. Parce que ce démon-là, cet homme fort-là, cet esprit-là ne peut pas rester. Amen. Il n'a pas le droit de rester. Je ne sais pas là où tu es, mais l'Esprit de Dieu te rejoint. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Éloigne-toi, maladie, au nom de Jésus. Jetez. Chante à Barabasé. Yanterebo Sakata. Mayanda Barabasete. Allez, Masunda Brakata. Shekata. Rekata. Prekete. Santa. Rada. Yanta. Le rhumatisme héréditaire. J'entends dans mon esprit le rhumatisme héréditaire. Dans le nom de Jésus, le rhumatisme héréditaire est obligé de plier bagage, de plier bagage, de plier bagage, de plier bagage, de plier bagage. Écoute-moi bien, le rhumatisme est obligé de plier bagage dans le nom de Jésus. Il y a des hommes forts qui vont commencer à crier pour quitter le corps. Il y a certains qui le sujet qu'on a touché hier sur le rejet, d'autres seront en larmes. Il y a comme une restauration qui va se produire dans le corps. Il y a des fondements qui vont commencer à fuir seuls. Des hommes forts vont commencer à crier. La Bible dit Jésus entrait dans certaines zones. Des esprits poussaient des cris. Des hommes forts qui étaient dans le corps poussaient des cris. Et ils étaient obligés de partir instantanément. Mon Dieu parle. Tout fait silence. Il se lève. Les hommes forts se dispersent. Dans le nom de Jésus. Envoyez les quatre devant. Faites-les venir. Ils ne pourront pas résister. Dans ce silence, gardons les mains. Soyons connectés. Gardons les mains. Même toi qui es en ligne. Envoyez les cas, envoyez-les. Hey,
Regardez, allez vite vers celle qui est là-bas, parce que l'esprit là, l'esprit de Dieu va la projeter. Hein. C'est en train d'enlever un esprit dans son corps là. Faites-la venir vite. Voilà, il y a une dans la zone là qui va vomir. Elle va vomir. Cet homme fort la prend appui sur un envoûtement, sur un poison spirituel. Manque en temps, idaba, humba, sakata, edabro, kata, idabalaya. Les gade, 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 gabase, kade, gade, gaya. Un jeune frère est en train d'être libéré par un homme fort qui a une force qui voulait le tirer pour l'envoyer en arrière, quand bien même que lui-même, il a la décision d'avancer. La puissance de Dieu vient enlever dans le nom de Jésus. Sekoto Rabadashaya. Regardez, faites venir la personne qui est là-bas, elle va vomir des choses. Je vous ai dit. Oh. Envoyez des pochettes ici. Tu vois, le Seigneur veut confirmer le travail qui est en train d'être fait. Regarde, les hommes forts dans les corps sont en train de dire, laissez-moi. Laissez-moi. Ils ne seront pas laissés dans le nom de Jésus. Parce que la puissance qui est déployée dans cette zone, et même ceux qui sont en ligne, cette puissance du Saint-Esprit-là est en train de faire un travail dans l'atmosphère, dans le nom de Jésus. Aucun homme fort ne pourra résister, peu importe le corps et l'âme dans laquelle cet homme fort se trouve, dans le nom de Jésus. Il y a, regardez, il y a un autre frère aussi, un autre jeune frère, quelque part, à cause de l'appel qui est sur sa vie. Il y a un homme fort qui a décidé de le déstabiliser, de ne pas, pour qu'il ne soit pas connecté et concentré. Il y a une telle dose du Saint-Esprit qui va descendre sur lui, là où il est, avec une telle brutalité. Elle vient non seulement pour enlever l'homme fort, mais en même temps pour lui donner un équipement particulier dans le nom de Jésus. Gardons toujours les mains en signe de réception. Le combat lié à ton appel. Cet homme fort qui combat à cause de ton appel. Aujourd'hui, est obligé de lâcher prise dans le nom de Jésus. Je vois quatre autres personnes, là où les hommes forts qui sont derrière travaillent avec violence spirituelle, sont considérés comme des brigands spirituels. Mais pendant que je parle, là où les quatre sont, j'envoie le feu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, nom de Jésus. Je l'ai aidé. Hein? Regardez, il y a une dame qui est en face de moi là, qui a porté le t-shirt bleu là. Celle que vous voyez là, allez vite auprès d'elle. Elle est en train d'être libérée. Voilà, voilà, voilà. Celle-là. Voilà. Faites-la venir devant. Celle-là. Elle est en train d'être libérée. Il y a une autre quelque part dans la zone là. Voilà. En dehors du frère là. Il y a une autre quelque part dans la zone là. Dans la zone là. C'est comme si ce qui est derrière veut apporter une faute de distraction. Cet homme fort là. Dans l'intention qu'on ne le puisse pas le localiser. Vouloir distraire la personne a fait croire qu'il n'y a absolument rien. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu descend dans cette zone et localise cette personne avec précision. Dans le nom de Jésus,
C'est de toi qu'il s'agit. Oui, oui, c'est de ta liberté qu'il s'agit. Dans le nom de Jésus. Oui. Oui. Merci, Saint-Esprit. Chanta brarabakanda rayadasi. Yandero roro sakata. Yekete rabadakanaya. La te rabadasi de brosaka. Et il y a une onction qui vous accompagne. Parce que la prière continue encore, c'est pas encore fini. Dans le nom de Jésus. Gardez, gardez. Je déclare la liberté totale. Les deux là, elles n'ont pas encore fini de vomir. Elles vont vomir encore. Celle-là. Celle-là. Elles vont vomir encore. Celle-là, elle va vomir aussi. Celle-là. Elle va vomir. Envoyez, envoyez le divin. Hein? Celle-là. Voilà. Faites-la en soi pour qu'elle vomisse mieux. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Toute force liée à la paix. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Adonai se manifestera. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Elle a envoyé la vie, donc elle envoie la vie. Amen. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc après moi, le temps de prier encore continue. Dis amen. Amen. Ça dit, notre papa l'apôtre, il a bien disposé des choses. De sorte à ce que tu sois bien nourri dans la prière. Dis amen avec moi. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que ça. Hein? Commencement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est carabada da 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 da. De contemplation en battant la main en adorant en élevant son nom, son nom c'est Elohim. J'irai du pouvoir à tous nos besoins. Sa gloire se manifeste. Nous t'appelons. Hey! Nous t'invoquons, Yahweh. Nous t'invoquons. Descends parmi nous. Tu es l'alpha. Hey! Lâche tes bons soins. Tu es le pourvoyeur. Et ma réponse sont à l'aimer. Te manifesteront. Alors, elle a fait monter la
nous attendons, alors que nous sentons Yahweh, Yahweh. C'est maintenant. Yeah. Rapha, Rapha. Ah, mon et pendant que tu attends, toutes les forteresses, toutes les structures de l'enfant qui avaient été établies pour pérenniser sa domination sont en train de tomber au lambeau. Adonai se manifeste maintenant, se manifeste maintenant. Jésus. Nous le croyons et nous le voyons maintenant. Yahweh, le commencement et la fin, Rapha. Dieu qui nous guérit, Dieu qui nous libère, le souverain, le majestueux. J'irai le Père, Adonai, tout puissant, se manifeste maintenant. Dans une atmosphère. Yes, Yahweh, Yahweh. Au moment où tu vas atterrir, tu vas toi-même constater les dégâts dans le camp de l'ennemi et le niveau de restauration. Le niveau de restauration. Jésus, tu pourras manifester, se manifeste maintenant. J'ai ma bosse par le bras, ira ma maman Yahweh, et bras aussi, et mon stata Yamama. Hey! Et pendant que tu es en train d'adorer, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton âme. Dans ton âme. Dans ton âme. Oh, avant nous même qu'on ne commence la prière, nous le voyons, Yahweh. Alors que tu es en train d'adorer, Yahweh, il y a une œuvre majeure qui est en train de se faire.
Il y a une atmosphère qui est sur toi, il y a une onction qui est sur toi, il y a une présence de Dieu qui est sur toi. Il y a quelque chose qui descend jusque dans les profondeurs les plus insoufflées de ton âme pour défaire des liens, pour détacher des liens, pour briser des liens, pour rompre des liens, des transformations profondes, des transformations majeures sont à l'œuvre en toi. Ah, je vais laisser cette atmosphère s'installer en toi, s'installer en toi, s'installer en toi, s'installer en toi. Alors, commence à élever la voix et commence à déclarer des mystères, à parler en langue, 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 à parler en langue. Parce que l'esprit m'a déjà précédé. L'esprit lui-même est en train de prendre le contrôle. Le Saint-Esprit lui-même est en train de prendre le contrôle. Le contrôle. Le contrôle. Le contrôle. Le contrôle. Le contrôle. Alors que tu parles en langue, alors que tu dis des mystères, l'onction déborde. Déborde. La Bible déclare qu'en ce jour, la graisse fera éclater le joug du dessus de ton cou. La graisse fera éclater le joug du dessus de ton cou. L'onction est en train de déborder. L'onction est en train de déborder. L'onction est en train de déborder. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Le joug qui avait été placé sur ton âme pour déterminer la direction de ton âme, pour déterminer tes réflexes. Cette onction qui est descendue sur toi, cette onction qui a pris le contrôle de la salle et de l'atmosphère est en train de se déployer avec tout joug commence à tomber. Ce joug qui avait le contrôle de ta pensée subconsciente est en train de tomber sous l'onction. Sous l'onction, sous l'onction, dis des mystères, dis des mystères, parle en langue, sous l'impulsion de l'esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit, dis des mystères, dis des mystères. L'homme fort a des mystères, l'homme fort a des choses étranges, l'homme fort a des chemins étranges, l'homme fort a des armes étranges qui ne peuvent être combattues que par des stratégies étranges, des stratégies cachées dans l'esprit, cachées dans l'esprit. Alors, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, loue Dieu. Ibrados, Shabalos, les têtes brûlées, la kataya m'arrangée, Ibradaya m'arrangée, ma tête est brava, les têtes brûlées, Ibrahadosé, Shabalabalaké, les Ibraha, ma soukataya m'arrangée, Ibraya m'arrangée, Menesa, les têtes brûlées, Ibrahadi, la Zibrahadusa, la quinta brûlée, il m'a dansé la libre en chataya, ma canta la brosse, la dosa kataya babé, les quêtes de la rosa, ma daya ma moche, il m'a bababa, chataya bababa, ma daya kataya bababa. Allez, dis des mystères, parle à cette situation, dans ton âme, parle à cette disposition, dans ton âme, parle à ce relais. Se relève, des hôtels, dans le du chemin, dans ton âme, Chalas, Ibrahadi, allez, fais monter la température dans ton corps, fais monter la température dans ton âme,
fais monter la température dans ton esprit. Akita, Ibrahadi, jete, le tete, Ibrahadi, Akita, Ibrahadi, allez monte, Shabrabo, Sakata, Yabara, Yabara, Baro, Baba, Makantara, Brayanta, Ibrahadesa, le tete, jete, le maha, Ibaba, Baba, Shababosa, Mareba, Je vois des prisons être secouées. Alors que tu es motivé dans la prière, alors que ta voix s'élève avec fermeté. Makata ya bosso, Ibra dosé, Ibra hadi, Ibosa, Makata ya bradosa, Ibaba baba, Jeta la baba, Jeta la baba, Ibabosi, Makita bradosa, Narebra hadi. Jusqu'à ce que tu sois un pont d'atterrissage préférentiel de l'onction qui brise le jour. Marébos, Ibradosi, Yébos, Ikantarabradosi, Yébaba, Yébaba, la prière est une colonne. Indéplaçable dans le royaume. Allez, Shabramosu, Emakinta, Ibrahadi, Yebabababa, Chetarabosa, Yebabababa, Robabababa, Emakanta Baba, Shabadabadaba, Yebabosa, Yebabe, Mades, Mades, Lekete, Ibrahadi, Chetarababa, Ibrahayababa, Yebabababa, Yebabababa, Shataya baba baba, makantara bra kantara, sukana loya basuka, ibradosi, shentara baba baba baba, in atmosphere, I'm flaming, in atmosphere, the feu, in atmosphere, the puissance, shades, shades, ibrahim ibiniskin tabahosh, shade brada ya kantara baba. Jusqu'ici, tu n'as pas prié. Allez, élève la voix. Chalès, est-ce que tu es révolté? Quelqu'un qui est prêt à crier, quelqu'un qui est prêt à voir son âme crier à la dimension de ce combat, ah, peut-il continuer à élever la voix et à créer une atmosphère insoutenable qu'aucun démon, qu'aucune chaîne, qu'aucun lien ne peut subsister. Ebrede, Ebrahadusha, Ibrahadi, Mades.
La quinta brava. Chades. Yemosa. Akataya babababa. Uma babababa. Sheba babababa. Leya babababa. Yemosa. Kataya babos. Brades. La quinta. Atmosphère. Surnaturel. Atmosphère. Surnaturel. Brades. Yemosa. Et toi qui es connecté, dans le lieu où tu es connecté, le feu de la prière, le feu de la prière, embrase, 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 embrase. Il y a des soupirs qu'aucune intelligence humaine ne peut exprimer, si ce n'est pas de prière en langue, si ce n'est poussé par l'esprit. Yeshataya, 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 Ibrados, jusqu'à ce que cède, rabossi, et que tes lèvres, quelle que soit la profondeur des chaînes de l'homme fort, quel que soit l'endroit où les chaînes, les liens ont été placés, quelle que soit la force de l'ennemi, quelle que soit les subtilités. Jusqu'ici, tu as fait des prières intelligentes, mais il a esquivé. Mais aujourd'hui, pas de prières, des prières non conventionnelles, des prières poussées par l'esprit. Ah, tu rentres dans des secrets de délivrance. Tu rentres dans des secrets de délivrance, de restauration. Chalès, je vois un esprit révolté, une âme révoltée. Ma kataya, car l'enfant me connaît que le langage de la violence, me connaît que le langage des violents. Yébos, Madès, Ibradi, la quinta blanche, Madè, 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 Chalabossé, les quêtes brevées, Ibradossi, Yébabossa, Makataya Bababa, Chentele Brossi, Makita Bradossa, Tayababa, allez, ramasse, tes derniers forces, ramasse. Tout temps d'énergie, écris, écris, écris. Hey, c'est l'heure de ceux qui crient contre les autels. C'est l'heure de ceux qui élèvent la voix contre les autels. L'heure des raisonnements à passer. L'heure des stratégies calculées à passer. L'heure des hommes de prière. L'heure des hommes qui crient. Pas de mystère, donc on ne voit que les résultats. Allez, Shabados, Yemabes, Ibrahi, Yekentelebrosa, Makataya Baba, Rabababa. Quand tu seras sorti de cette atmosphère, tu constateras, tu constateras, tu constateras. Allez, jusque-là, alors élève la voix et parle en langue. Hey. Chabradosa, Mare Bradaya Mababa, les quêtes brûlées, Chalessi, Yemos, supprends l'adversaire, supprends l'autre corps, supprends ses stratégies, pas de prière non conventionnelle, les quêtes brûlées, allez, allez, Chabraya, Yemos, Ibradaya Mababa, Yemabababa, allez, déclenche. Déclenche par cette prière. Déclenche par cette prière. Déclenche. 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 Des stratégies non révélées. Des stratégies cachées. Des stratégies cachées. Des stratégies cachées. De la part du Seigneur. Rababos. Rababababa. Chabanes. Chabanes. Yébabes. Yébabos. Makataya Brados. Yébabes. Chalès, chalès, jusqu'à ce que tu deviennes une torche animée, une torche animée, une torche animée, une flamme de feu, la rêve, yébos, ikataya bradosa, makita, marabraya, chebede,
Des convocations spirituelles, des jugements sont à l'œuvre. L'autel de la croix de Golgotha est en feu. L'autel de la croix de Golgotha est en feu, est en feu, est en feu, est en feu. Alors que tu pries et que tu déclares des mystères, l'autel de la croix de Golgotha est en feu, parce que dans ce lieu, un guerrier de prière est en train d'alimenter son cri. L'autel de Golgotha, l'autel où Jésus a été crucifié, là où le feu de notre délivrance a été relâché. L'autel de Golgotha est en feu, est en feu. Hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel. Ah, nous ne connaissons qu'un seul hôtel, l'hôtel de Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Chades, hôtel contre hôtel, voix contre voix. Si tu élèves la voix, tu élèves la voix. À partir du cri de la croix, du cri de la croix, car le crucifié, la Bible déclare qu'il a poussé un cri sur la croix, et le voile du temple a été déchiré, et la terre s'est fendue, les rochers se sont brisés. À ce matin, alors que tu pries, ta voix appelle le cri de la croix. Pour avancer, pour avancer, pour avancer, pour avancer. Hey, un cri dans le cri de la croix. 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 Un cri, un cri, un cri d'exaspération. Un cri pour en finir. Chalès, 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 chalès. Les siècles d'implantation, quel que soit les siècles de règne de l'homme fort, le rouleau compresseur de l'onction est en train de se déployer. Le rouleau compresseur de l'onction est en train de se déployer. Alors que tu déclares des mystères et que tu parles en langue, Chavez, Rabrados. Ces Égyptiens et ces pharaons que vous voyez, vous ne les verrez plus. Chataya Mamosi, Rebrado Sakataya, Yemabes, Rababa, allez. Alors que tu parles en langue, le Saint-Esprit fait le tour de la famille, fait le tour du village, fait le tour de la région de laquelle tu viens. Des mystères, des renversements sont à l'œuvre. Des mystères, des renversements.
allez, pour libérer ton potentiel. Il faut qu'avec toi le massacre s'arrête. Il faut qu'avec toi la pérennité de leurs œuvres s'arrête. La terreur et la dévastation doivent changer de camp. Tu es en train d'activer le surnaturel dans ta maison. Tu es en train d'activer le surnaturel dans ton sang. Les messages, les écritures, les voix qui résonnaient dans ton sang. Ce sang que tu as hérité d'une famille qui était influencé par les autels. Des transformations si naturelles et majeures sont en train de s'opérer dans ce sang qui coule dans ton corps, dans cette âme qui est dans ton sang. Chades, Yemabes, hey! Alors que tu parles la langue, le Saint-Esprit opère là où toi-même tu ne peux opérer par ton intelligence. Yemos, on a beau expliquer la réalité des autels, mais il y a forcément des choses incompréhensibles. C'est là que l'onction rentre en jeu. C'est là que la puissance du Saint-Esprit rentre en jeu. Hey! Shebraya! Yemos! Ikantablayata! Shabarabarake! Ebranosi! Porté par une onction de prière, porté par un feu de prière, porté par une puissance de prière. Shabaros, Rabradosi, Yemos, Ikata Bababababa, Shabarabarabara, tu n'es pas seul dans ce combat. Marabos, Shabes, Yemos, ah! Le cri contre l'autel. Rosa,
Une atmosphère que le Saint-Esprit aime, une atmosphère que l'onction aime, une atmosphère que la délivrance aime. Chez vous, Yemabesa, Ibrahé, et Kataya Baba, Shabane Kantala Bosé, Yemosa, Chebrani, Akita Baba 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 Baba. Ces implants mystiques, ces implants démoniaques sont renversés, sont arrachés, sont déracinés. Chabradosi, Rebradosa, Yemabes, Ikata Yebradosa, Manakit Abraha, Shabababababa. Tu ne retourneras pas dans les choses que tu as promises en ce jour. Tu ne retourneras pas dans les choses qui sont sorties de toi en ce jour. Chebrele, lebrele, ikataye babosa, makata rabrayata, shadesi kataye babos, yebabababababa, yebabababababa. Yemakataya baba baba, lebrede, leke tebrede, uma baba sukataya ba. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Que tu acclames des mystères de délivrance, des mystères de délivrance sont en train de s'opérer sur des territoires étranges, des territoires bizarres. Hey. Alléluia. Là, juste peut-être si tu veux t'asseoir un peu. Quelque chose de puissant est en train de s'opérer. C'est-à-dire pendant que tu es ici, que tu pries de cette manière, tu te retrouves sur un autre territoire, quelque part ailleurs, exerçant des jugements. Amen. Poussant des cris que si on te demandait toi-même de reproduire physiquement, tu serais incapable. Alléluia. Vous savez, il y a un jour où dans notre assemblée, au niveau de l'assemblée restauration, on organise régulièrement des temps de longs moments de prière. Je prends le micro à 9h par là, puis je dépose le micro vers 16h. Et pendant que nous étions en train de prier, il est arrivé un moment où le Seigneur a ouvert mon esprit. Et j'ai déclaré une parole que plusieurs de ceux qui sont là et qui prient, vous êtes en train d'être transportés quelque part, dans un endroit. Et à ce même moment, une jeune fille, très belle, est à l'église, elle ne se marie pas. Subitement, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de manifester des dons spirituels, mais subitement, elle est ravie en esprit pendant qu'on est en train de prier. Et elle se voit en train de traverser une forêt sombre. Elle arrive dans un cimetière. À gauche, ce sont les tombes de femmes. À droite, des tombes d'hommes. Et elle arrive
sur une tombe où elle se voit elle-même couchée dans la tombe, de la poussière sur son visage. Et puis elle voit comme un pieu qui est dressé au sommet de la tombe et sa robe de mariée qui était attachée sur le pieu. Et puis elle voit écrit en haut au sommet, colère. Elle tremblait de tout son corps. Mais c'était quelque chose qui l'avait effrayée. Elle ne dormait pas, elle priait. Puis elle a été ravie subitement en esprit. Donc à la fin de la prière, sa mère et elle sont venues pour essayer d'expliquer pourquoi on leur dit, mais ça veut dire quoi? En réalité, cet autel avait été dressé dans un cimetière, avait été dressé dans le séjour des morts. Et tant que ce pieu, cet autel-là n'était pas renversé, elle ne pouvait pas se marier. Et selon les enseignements qui ont été donnés ces derniers temps, ça a quelque chose à voir avec nos âmes, ce qui se passe en nous. Elle, pour elle, la porte, le point de contact, c'était la colère. C'était la colère. Donc la délivrance devait s'opérer à la fois sur ce territoire étrange, mais aussi dans son âme. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses tellement étranges que il y a des moments où tu as besoin de rentrer en esprit, de prier par l'esprit. Ce que tu ne peux pas nommer parce que tu n'as jamais vu, l'esprit nomme cela dans le spirituel. Et tu en verras les fruits. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que moi j'ai venu avec mes sujets. Je suis rentré, l'atmosphère a pris une tournure. Mais ce que tu viens de faire, tu vas toi-même constater. Tu vas constater. Amen, amen, amen. Et pour amen. Certains, ça va commencer dès aujourd'hui. Quand amen. Tu rentres à la amen. Maison. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux juste, comme il reste quelques minutes, je vais juste toucher quelques deux, trois points. Alléluia. Frère. Pendant que le pasteur Mustapha intervenait ici, il a parlé de l'esprit de rejet. Je ne vais pas revenir sur l'enseignement. Mais est-ce que le rejet va plus loin que juste les sentiments, les émotions que tu as en toi et qui développent des complexes de tout genre? Le rejet, c'est un esprit même qui est capable de t'accompagner pour perpétuer autour de toi l'activité de rejet. Je vais t'expliquer. Un homme fort dans une famille qui gère un hôtel de pauvreté, un hôtel d'appauvrissement, peut te regarder et puis commissionner derrière toi un démon qui est un esprit de rejet. Son nom c'est rejet, un esprit rejet. Et lorsque tu arrives quelque part où tu es censé croiser des hommes, des femmes de destinée, des personnes que Dieu va utiliser pour te faire rentrer dans certaines choses de ta destinée, l'esprit rejet, je donne par exemple juste un exemple simple. Tu croises quelqu'un, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'être embauché quelque part. On te crée une connexion. Tu t'en déposes ton dossier. On te reçoit et on fait un entretien qui, à première vue, est concluant. Tout va bien. Et tu te dis, ça y est dans la poche, tu rentres tranquillement chez toi. Mais pendant que tu es chez toi, l'esprit rejet qui a été commissionné, il ne te possède pas, mais il te suit à la trace. Il va passer derrière toi. Celui avec qui tu as fait l'entretien, celui avec qui tu as fait l'entretien, il va s'arrêter sur lui et puis déclarer, ce gars avec qui tu viens de parler là, sa tête ne te revient pas. Sa tête ne te revient pas. Sa tête ne te revient pas.
Le lendemain, où vous êtes donné rendez-vous pour conclure, quand tu apparais devant lui, la même personne qui t'avait apprécié hier, sans qu'il ne sache qu'est-ce qui s'est passé, il te regarde, il commence à chercher des défauts. Il commence à chercher ce qui ne va pas. Amen. Et beaucoup de personnes sont victimes de ce genre de travail, de cet esprit rejet sur la base de la gestion d'un homme fort qui, lui, a reçu la mission de veiller à ce que tout le monde dans la famille, tout le monde dans ce village, tout le monde dans ce groupe-là soit habillé du maillot de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. On va? Les prières pour restaurer ton âme, tout ça, ça a été fait. On va pousser la prière sur cet aspect-là. Pour que ta vie, tes projets, soient totalement déconnectés de ces esprits qui rôdent et qui tournent tout autour. Et c'est que pour certains, même pendant que tu étais en train de prier en langue, ces choses-là se sont déconnectées. Alléluia. Tu dois être accepté. Voyez, lors d'un culte de dimanche, j'ai donné la parole de bénédiction. Et hier, j'ai reçu un couple. Mais comment tu as su? La vérité, je n'ai rien su. J'ai juste, comme mon père spirituel fait ici, béni la semaine. Mais le frère, il a une compétence. Mais tu n'as pas idée. Il est rigoureux. Tu n'as pas idée. Et depuis un moment, sa femme et lui traversaient mais des combats terribles. Et puis, il avait eu une opportunité depuis le Maroc. Une entreprise qui n'existe pas ici en Côte d'Ivoire avait pris contact avec lui pour venir s'installer. Ça veut dire que je ne vais pas donner les détails pour éviter de repérer la personne. Mais tout avait été concluant. L'entreprise lui a demandé de faire une étude de marché, une étude de stratégie. C'est des choses, quand quelqu'un fait ce genre d'études-là, vous payez là, ça se paye 1 million. Il a fait ça gratuitement. Et donc, on lui a dit, c'est toi-même l'homme qu'on veut. C'est toi qu'on veut que quand nous on s'installe ici, tu as un poste de direction. La chose était dans la poche. Subitement, silence radio. Et c'est comme si les gens ont ouvert leurs bras et puis un coup ils ont fermé jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai donné la parole pour dire que là où on ne t'avait pas accepté, tout a été prêt. Et puis au moment de t'accepter, les gens ont fermé la porte. Mais l'onction qui va venir sur toi cette semaine va remettre les choses en place pour qu'on... Le travail donc de l'esprit rejet, c'est de faire en sorte que tu ne sois pas accepté. Qu'on ne t'ouvre pas les bras. Donc, ce matin-là, dans un bref instant, mais excusez, je vais déborder juste un peu. Alléluia. Mais tu vas te tenir debout. Parce que j'ai écouté le pasteur Mustapha, il a longuement parlé du rejet, de l'esprit rejet. Et je suis venu pour toucher un aspect hautement spirituel, un mouvement qui se fait autour de toi. Et quand tu vas prier de la sorte, cet autel d'appauvrissement qui avait délégué les esprits rejets qui tournent autour de toi, c'est-à-dire les esprits là même entretiennent un caractère bizarre qui fait que tu as du mal à être accepté. Tu as du mal à ce que les gens ouvrent les bras pour toi. Amen. Mais les démons, ces démons rejets, ces esprits rejets là vont tomber un à un. Au nom de Jésus. Ils vont être déconnectés un à un. Amen.
Tu sais que si la reine Esther n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Gaï, mais c'était foutu pour elle. La faveur, le fait d'être accepté quelque part, ça te donne de la vitesse. Ça te donne de gagner du temps. Amen. Donc quand l'esprit léger travaille comme ça contre la faveur, le fait d'être accepté, ça te met en retard sur certains délais de ta destinée. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un qui va connaître une accélération après ces moments de prière. Alléluia. Lève la main droite avec moi comme ça. Dis avec moi. Dans le nom de Jésus. 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 Ce matin. Ce matin. Dieu m'a établi. Dieu m'a établi. Pour arracher. Pour arracher. Pour abattre. Pour abattre. Pour ruiner. Pour ruiner. Et ce matin. Et ce matin. Revêtu. Revêtu. De cette onction. De cette onction. Pour juger. Pour juger. Les hommes forts. Les hommes forts. Les hôtels. Les hôtels. J'élève la voix. J'élève la voix. Contre tout esprit. Contre tout esprit. Esprit rejet. Esprit rejet. Qui a été mandaté. Qui a été mandaté. Pour exécuter. Pour exécuter. Dans mon environnement. Dans mon environnement. Des activités. Des activités. Des condamnations. Des condamnations. Des jugements. Des jugements. De rejet. De rejet. D'échecs. D'échecs. Des non-accomplissements. Des non-accomplissements. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je condamne. Je condamne. Ces implants. Ces implants. Ces condamnations. Cette connexion, cette connexion, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce matin, ce matin, alors que je prie, alors que je prie, et que je bats des mains, et que je bats des mains, tout esprit, rejet, rejet, est déconnecté, déconnecté, de ma vie, de ma vie, de ma destinée, de ma destinée, des projets de Dieu, des projets de Dieu, pour ma vie, pour ma vie, déconnecté, déconnecté, de mes projets, de mes projets, ce matin. Ce matin, ce matin, ce matin, alors que je prie, alors que je prie, et que je bats des mains, et que je bats des mains, tout esprit léger, tout esprit léger, avec ces dossiers, avec ces dossiers, avec ces dossiers, de rejet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, est chassé, chassé, délogé, délogé, déconnecté, déconnecté, de ma vie, de ma vie, dans le nom de Jésus, 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 esprit léger, esprit léger, alors que je prie, alors que je prie. Et que je bats des mains, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, descend sur toi, tu as été mandaté depuis l'hôtel d'approvisionnement de ma famille pour combattre les desseins de paix de Dieu dans ma vie, dans ma destinée. Et ce matin, alors que je prie et que je bats des mains, le feu de Dieu, le feu de Dieu, anéanti, détruit ton œuvre, plus jamais, 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 tu ne me suivras, tu ne me suivras, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce matin, alors que je prie, et que je bats des mains, je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare, je brise tes liens. Tes connexions, connexion. Je te rends aveugle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'avance. Et tu ne me suivras pas. Esprit léger. Alors que je prie. Et que je bats des mains. La faveur est restaurée. Sur ma vie. Dans le nom de Jésus. À l'instar de la reine Esther. Je suis d'une atmosphère de faveur. Alors que je prie, la faveur, la faveur qui avait été confisquée, embrigadée par l'esprit rejet, dans le nom de Jésus, est libérée, 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 et par la grâce de la faveur,
je gagne, je gagne de la vitesse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors que je prie et que je prends ta main, esprit léger, toi et tes œuvres sois renversé, sois renversé, sois renversé. Je suis libéré. Allez, prie, 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 prie. Chanta baba baba, yebra na yaba baba osa, re baba 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 baba, reche. C'est ta fin sous toutes tes formes. C'est ta fin, quelle que soit l'apparence, quelle que soit la forme que tu as pris dans mon histoire, quelle que soit qui t'a mandaté, qui t'a envoyé, reche. Tu pars. Tu pars, tu pars, tu pars, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Je me détache, je me délie, je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me déconnecte. Je bénéficie de la faveur, je suis de la nature des favorisés. C'est pourquoi, esprit léger, tu ne détruiras pas la faveur sur ma vie, la faveur dans ma vie. Je suis accepté, je m'accepte moi-même. Makataya bradose, jetara bababa, rebrada ya babose, yebaba baba baba, makataya baba. Les forteresses, les forteresses des régions que tu as bâti autour de ma vie, autour de mon apparence, autour de mes projets, autour de ma destinée, ces forteresses, alors que je prie et que je prends ta main, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Et à l'instant, les implants, les relais mystiques, les relais ténébreux, les relais diaboliques, les relais des démons, les relais des hommes forts. Sautez la cidaille, arrachez, arrachez, hey, chèvre à la bosse, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, fais le tour de ma destinée, fais le tour de ma personnalité, fais le tour de mon homme intérieur, les implants qui attiraient, qui appelait, qui encourageait l'activité de l'esprit léger dans le nom de Jésus, et arraché. Je ne serai plus la victime de l'esprit léger. Et l'hôtel d'appauvrissement de l'homme fort rentre dans une saison d'inefficacité. Par l'onction, je prie. Chèvre annoncé. Par l'onction, ton jour est brisé. Par l'onction, le jour du régime est brisé. Chèvre à la bosse. Le jour du régime est brisé. Par l'onction, le jour du régime est brisé. Rébrada ya babosé. Rébrada ya babosé. Yébaba babababa babababa. Sigele balabana namaya labane barakana baya. Sigana bana 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 bana. Le feu des révoltés, le feu, délions-nous, détachons-nous, brisons les chaînes, chevros, maquette et brûlée, chez ma baba 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 baba. Le feu est révolté.